Si Génie Congo, nous sommes là pour le Congo émergent, pour un Congo fort, pour un Congo uni. Nous sommes là pour l'intérêt de tous les Congolais et nous appelons, nous faisons comme ça notre émission, nous la présentons et nous faisons appel aux génies qui mettent à la disposition de la population congolaise leur expertise pour que nous puissions ressentir ces développements et que ça soit palpable, pas imaginaire, pas théorique. Et j'ose croire qu'ensemble, nous allons développer notre pays et que l'amour de la patrie, l'amour du Congo puisse régner, puisse aussi démarrer et pourquoi pas aussi l'intégrité nationale. Nous devons tous aimer notre pays et surtout revendiquer et mettre fin, couper court aux attaques rebelles, tous ceux qui veulent paralyser l'est du pays. Donc c'est ça. Par ces termes que nous commençons cette émission, Doudou Montiri qui vous retrouve et notre très cher Bruno Nzinga, Romain Makonda et pourquoi pas aussi José Andia, je n'oublierai pas Moro Djambé et nous sommes tous ici réunis pour vous servir comme d'habitude et Dadi Kusaka. Alors nous allons recevoir un génie et aujourd'hui c'est vendredi spécial, nous ne parlons que du développement et nous allons aujourd'hui martelé sur l'agence de formation professionnelle intégrée et une innovation d'un Congolais pour permettre à nos autorités, aux dirigeants congolais d'avoir comme ça quelques orientations parce qu'il faut lutter nécessairement contre le chômage et c'est par cette initiative, si nous mettons cela en priorité au profit de notre population et surtout si les autorités s'impliquent, on aura peut-être un bon résultat. Alors, c'est bel et bien l'architecte, il est aussi président d'un mouvement citoyen de son enfant, M. Fonfon Mansentiment Ndefi, que nous recevons pour vous en ces jours de vendredi, excusez-moi. Nous clôturons la semaine, vous savez, c'est du lundi au vendredi. Bonjour, cher Mansentiment Ndefi Fonfon. Bonjour. Génie du jour. Merci, merci de m'appeler ainsi. Très bien. Merci. Voilà, alors nous allons marquer une pause hein, parce qu'on va faire un tour de côté de la régie pour l'annonce de notre sujet du jour. Et aussi vous rappeler juste après, François Mansentiment, nous allons recevoir un homme de Dieu qui va aussi nous parler de l'implication de l'Église. Comment est-ce que l'Église pourra comme ça résoudre cette crise que nous connaissons dans notre pays? Ça sera bel et bien, monsieur Benjamin Kawanga, les prophètes. Ça sera donc juste après. 45 minutes après le passage de M. François Mansentiment. Alors, c'est parti, du côté de la régie. Ok, merci beaucoup Bilonzinga, merci beaucoup Dadi Kusaka Moronjambe, merci beaucoup Romain Makonda, merci beaucoup DT José Andia, merci Jacques Wandenga Boazou, merci le vieux Mazout. Voilà. Alors, toke, tu vas le poto te. Pour ce que tu sais, l'émission le poto, et ça appelle ma langue mingite. Tu vas lingala. Pour batounion so, bayoka, bamona, c'est possible. Professionnaliser le secteur nyonso le ministère nyonso c'est possible ce qui est yoki to mettre en pratique makambo invité na biso koloba. Alors monsieur Fanfan Mansentiment Ndefi, un petit rappel sur les différents objectifs et agences de formation professionnelle intégrée. Nanga ki omega nous rappeler ba tout ezali nini agence de formation professionnelle intégré. Et par après, pour la définition, il y a développement intégral. Là, ça vient d'après. Mais d'abord, l'initiative que vous avez mis sur pied pour nous permettre à ce que nous puissions enfin mis cela penza et quoi qu'on soit. Merci beaucoup, Malobo Pessingaï. D'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs parce que je suis belé. Et parce que si j'ai eu tout le monde qui est accroché, qui va en m'accasser. Je crois que même Yopé ou Benamaki moi et Bélé. Pour la première fois, Génie Moko a les cas, a pesé ma canicinae, Batouba Zwango sans
tendance sans parti pris, bah politisant au PT, bah finir au PT, bah tout, bah c'est pas là qui n'a initiative. Développement et ça domaine la politique. Très bien. Développement ça pour la bisounyonso. Je crois que les partis politiques bah bunda pour pas gérer mais pour pas développer. Objectif est ça pour pas développer. Parce que ce que vous développez, c'est un bateau, mais il y a un bateau. C'est ça le rôle. Il n'y a pas de parti politique. Développement, c'est une couleur. Ce qui s'est développé, il fait un développement et il profite de la Congolais. Mais ce qui est Congo et s'est développé, c'est que tout ça est en souffrance. Je vais recadrer une certaine compréhension. N'a pas appelé aux gens. La compréhension de n'est pas quand il s'est là. Exactement. Tout le monde le va voir. Bisson, tu émettre une idée. Est-ce que le gouvernement a tient en place une agence de formation professionnelle intégrée? Et lui, il le parce que Bisson, individu, boye, fanfan, to président du mouvement citoyen de son enfant, tu as dit qu'il n'y a pas de quitté. Il y a Mouto a un rôle primordial, il y a le gouvernement de la République. Gouvernement de Azan maître ya ba projet. Ba projet le rôle à barrage d'Inga. Ba projet le rôle à port en eau profonde. Ba projet le rôle à pont route rail. Ba projet le rôle à route nationale. Ba projet le rôle à construction de chemin de fer. Et ça, ba projet sera un bon et belé. Et puis, ça, ba projet est où mais là. Parce que durée de vie normale d'un très grand projet, ça a 7 ans. 7 à 10 ans. Au moins, sur le niveau de la barrage d'Inga, il faut compter que le barrage a tant de banda. Il reçoit 7 à 10 ans. Pour nous, ça n'a pas de si là. Mais le projet paye à 2 ans, et ça. Le projet a 3 ans, 4 ans, et ça. Tant que nous avons un projet, et il y a pour nous, et il y a pour que les Congolais ne soient pas tombés dans la banque. Et bien, le projet Némoana est dirigé par le gouvernement. Et le gouvernement a la responsabilité. Il y a ça là que tout va participer dans le projet de la France et Congolais. Parce que ce que le gouvernement a créé cadre pour que les Congolais va participer pour la construction de projet, c'est que nous sommes là. Et puis, le gouvernement a reçu un problème. Il y a un problème, mais nous allons en Mboka. Tous dans un centre de formation professionnelle, parce que l'objectif faut toujours rappeler en moi. Ceux qui tous dans une école artisanale, tous dans la possibilité, il y a qu'au créer main d'œuvre vraiment qu'au professionnel bien qualifié. À ce moment-là, tous le bas, tous sont capables, il y a qu'au ça nous ça. Parce que ouvrier de ça là nous ça en terrain, architecte ça là conception, et puis bah ingénieur. Bah, conducteur de travaux, bah, on est basé là qu'un encadrement. Mais c'est ça, Moutamatisaka gris et matiti l'icolo et ça, un grutier qui est un ouvrier. Moutou a mataka l'icolo pour nous replacer bah, échafaudage, tout pour nous replacer bah, coffrage. C'est un ouvrier qualifié. Est-ce que le Congo, à ce qu'on est sablo, il y a un bisou à travers l'icanisi Oyo. Tous allez qu'on invite le gouvernement à s'approprier Nango. Nous devons comprendre que pendant tant et le qui formation na biso en matière y a main d'œuvre et ça qui nul. Comment ça? Toujours qu'il n'est pas université, n'anga toko tamba mukona. Toujours qu'il n'est pas université, toujours qu'il n'est pas institut, toujours qu'il n'a pas centre de formation, tout le monde rappelle avoir. C'est ça justement. Mais ils ont différent na ozolo ba différence dans vous allez sikani. Na agence de formation professionnelle intégrée. Alors, bisoto loba boye. Agence d'abord na niveau AC, na niveau ba ouvrier. C'est pour permettre ba ouvrier ba s'intégrer na ba projet oyeko salema ba bénéficier nango. Donc intégration directe. Intégration ça direct parce que intégration yiko lobani.
projet zali neti ba otonga barrage ba formé yo ba otonga ba osala banzila to ba osala banzila ba formé yo en tant que conducteur d'engin au koki ko sala asphalte au koki ko sala terrassement au koki ko sala makambu nyonso oyo conducteur d'engin a koki ko sala. Quand on forme des gens comme ça, parce que toi n'as pas projet. Moutani n'a pas formé, m'balamo va jouer moussala. Ton appel n'a pas centre de formation, il a intégré dans Katiaba société, net office de route. Azan a centre de formation. Onatra, Azan a centre de formation. Parce que, il a une grosse machine, où il a la capacité à engager Batebele. Batouana, il faut pas relancer, pas réhabiliter le centre de formation professionnelle là-bas. Bango peut baser la logique ouana. Il y a formation intégrée. Ok, là ça va. Là vous êtes honnête. On se comprend. Donc les alliés, bango peut baser la gamme. Mais oui, sauf que nos fils de route, ils ont des centres de formation. Pour nous reformer Batouna bango. Mais il faut qu'on puisse bango mis cela et belé. Et puis qu'on permette bango baser un centre de formation, qu'on équipe bango. Pour que bango sa formation longue bani. Et puis bango peut bango bako tana moussala. Donc il va. Donc, bah, panzango partout, bah, centre de formation, on a. Oui, l'État a tchango, penza, la disposition. De l'autre côté, ceux qui ont les longs, entrepreneurs privés. Très bien. Prenons le cas, naïna sa moussa, naï, na zui marché, na cadre à développement, il faut na ton gandé là, parce que nous les avons office de routité. Par un appel d'offres, on a pu na gagner. Mais naza na pousse à ouvrier. Na sombi ba tracteur, na to badan ki na. Mais de vous. Na te m'tou na formé. Fondant qu'un des naïbis qui projette à l'ITEL, deux autres ont abandonné là, centre de formation, l'État tient à l'Iwana, n'a qu'un assubamo, n'a recruté. Tant que ce n'est pas payé, pas grand travailler, je prends les cas parce que tu as inga, ils ont un entrepreneur, moi, miné ne baya, tu as chinois baye, ça n'a pas sa main d'œuvre. De sous-traitance. Aux hommes, on a, ouais, écoute, sous-traitance, et ça engagement. Bah engagé, mon balamo. Bah engagé. Alors là, il faut nuancer parce qu'appelle moi, on est en Zaki. En fait, l'idée de M. Matsanti Bandefi, agence de formation fonds professionnels intégrés, et ils ont une sous-traitance, tout ils ont une ni. Tu sais, mais on est pas formé main d'œuvre. Si on a formé main d'œuvre, si l'entreprise, tout le monde est chinois, bah, sinon il doit zotonga. Au moins, tout le monde zotonga dangi, asa chinois. Ok. Mais quand ça nous allons pas la misoter. Alors il fallait un congolais dans la dangi. Congolais. Mais congolais congolais au côté la dangi. Donc c'est à dire qu'ils peuvent dire non, tu es mais tout le monde est congolais, bah, wakumba, bah, enjente. Parce que le centre de formation n'a pas exacté. Au moins, c'est là où nous avons besoin de centre de formation. Les dangers. Parce que, comment ils ont chanté à mon aîné, nous mettons à mité. Donc nous avons l'obligation. Il y a autant de centres de formation en démoine. Aux hommes, nous avons déjà un office de route, on va former, il y a déjà intégré. Office de route, pourquoi se former, tout n'a pas été intégré, on a projet. Mais les privés aussi ont besoin de la main-d'œuvre. Nous avons un parce que c'est un gros projet. Nous avons un gros projet. Pour les gens qui ont engagé 50 000 personnes ou bien 200 000 personnes. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'ouvriers. Ils ont besoin de maçons. Ils ont besoin de menuisiers. Ils ont besoin d'ajusteurs. Il ne faut pas qu'ils importent des ajusteurs indiens. Non. Ils ont besoin de plombiers. On peut, donc, aux hommes, on a esprit et sa bongo. Maintenant, ce qui est au deuxième palier, ce sont nos universitaires. Aujourd'hui, dans le monde, l'université, l'État fait un programme de formation à l'université pour avoir besoin d'un développement. Donc, l'université est à la fonction. Tony, disponibilité ni mboka za nango o batwa za la formation pour ça l'ambambo il okoza sur place. Voilà. Donc dans le belagout disponibilité mboka za on ba projet ni tout ça na pour mboka. Pour le développement mboka. Pour le développement mboka et puis ba formation ni tout na pour ça pour que biso moko tout récupérer ba mbongo na ya développement. Donc ce que mbongo qui n'est pas papaya. Alors à l'université maintenant on va faire ça comment? C'est comme ça la formation université doit aussi être intégrée. Formation universitaire. Une formation intégrée. Intégrée. C'est-à-dire que... Et là, c'est plus pratique, pragmatique. Oui. C'est-à-dire que quand nous formons les architectes, c'est-à-dire que tout ça, on a déficit d'architectes. C'est pour cela que nous avons beaucoup organisé. D'abord, il faut faire la statistique. Pour nous, les médecins, tout ça, on a autant de zones de santé. Il faut un médecin, par exemple, pour 100 personnes. Est-ce que tu as résolu des problèmes, tu as besoin, oui ou non? Oui. Alors,
Est-ce que tout ça a un déficit? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut tout ça. Un, premièrement, programme et formation. Tu le bien au bout de 5 ans. On a pas université tout ça. Tu résous des besoins. C'est-à-dire que le médecin a vu ça pendant 10-15 ans. Bah, ça va chômer. Chaque médecin qui termine a ça déjà intégré. Chaque médecin qui termine, tu as ça intégré. Ça, à ce moment-là, toujours ça va formation utile. Toujours formé par chômer. Ok. Mais si on a la même question, mais on aime si vous avez. Ça aussi, il faut nuancer pour la deuxième fois. Oui, l'on aime, en réalité, c'est lui qui devait être en avant-garde. Pour n'avoir esprit à bouer. Parce que c'est l'Agence nationale des emplois. D'abord, il doit présenter au niveau du gouvernement, il faut appeler sa statistique. Tout ça, combien de chômeurs? Maintenant, dans combien de chômeurs, le gouvernement a l'obligation. Il a coupé sa Congolais Moussala. Parce que c'est constitutionnel. Pour lutter contre la pauvreté, et ça la rendait bilokouana. Il y a une chose, lutte contre la pauvreté. Objectif des animaux. Toza n'a par exemple, Toza 80 millions de Congolais. Soit 50 millions, basalaka. Dans 50 millions, les Congolais sont engagés à 1 million. Donc, Futobunga, à travers Babilokouana, la statistique est obima. Tant que tu l'enseignes, tu as une formation professionnelle intégrée. Dans l'université. Voilà, là, bah, de façon générale. D'une façon, il y a un ouvrier. On aime le lot à travers le monde. Ce sont des agences qui préparent des jeunes universitaires à ne pas être des demandeurs d'emploi. Mais bah, ça, là, plutôt créateurs d'emploi. Aux hommes, tant qu'on a ici à l'université, il faut avoir un esprit à innovation. C'est-à-dire, travail dans la recherche. Il faut être là. Tu vois, Congo, à accès en gros, dans les termes de l'apporter à l'apport. Mais comment bah, travail en gros à la fin d'études, ils allaient toujours bah, plagiat, ils allaient toujours. Là, on doit ça là, et on aboutit dans le côté. Ils ont vision, il y a développement dans Mboka et à Mouké. Parce que tout ça, c'est l'État. Ils ont un problème, il y a bah, étudiante. C'est l'État qui apporte ta vision. Comment résoudre le problème de l'embouteillage? Vous comprenez? Nous avons sali l'étude, travail, je vous donne un exemple. C'est quoi ça? On est où là? Nachir Moutoumokoboye a salagi étude pour rendre les fonctionnaires beaucoup plus performants. A sali a s'inspiré qui na bonus malice aux États-Unis. C'est un système de bonification. Ce qui professeur, ce qui un fonctionnaire, Asani Moussala n'a est bien, la fin de l'année, bah on peut ça est pris et puis bah on a ses grades. Et puis ce qui monte à se comporter ma belle, bah on étiqueté comme une mauvaise personne dans la société. La stratégie a beaucoup marché et permettait que les Chinois se discipliner davantage. Mais monte à ça là qui travaille ou non, à sa université. Mais l'État s'est approprié de ce travail pour l'appliquer dans le cadre du développement de la nation. C'est ça les universités. Les universités, bah, ça n'a n'importe quoi. Universitaire Nyonso, na travaille dans ça, a même un plus pour le développement en Mboka. Alors c'est une perte énorme. Ceux qui travaillent de fin d'études, ceux qui travaillent de fin de cycle, ils ont quoi apporter solution. Parce qu'en réalité, à toi, ça, les moutons, ça, la recherche. Les gens qui bon, tout ça a tel problème. Il y a des gens qui travaillent si j'ai une recherche. Il y a des gens qui ont un avant-plan. Pour les gens, la mémoire, avec la digitalisation, la numérisation, ma mémoire, ma travail, ma tout, et ça a une ligne. Il suffit qu'on ait une mémoire online, au côté paf, dans une université telle, travail à type tel. On va les inviter pour apporter solution pour les gens qui ont. Tout comme l'État Liemoko a coquille orienté formation universitaire n'a pas besoin d'y aller. Les loups, par exemple, n'arrêtent pas de faire un bon réseau chantier. Il faut tout ça, l'exploitation minière. Il faut tout ça, l'infrastructure. L'État aux Aïe a aussi l'école artisanale. A aussi l'école où on a pu produire main-d'œuvre à qualité pour travailler dans la mine. Pour travailler dans l'infrastructure. C'est ça la vision de l'État. Et puis en même temps, il résout un problème. La lutte contre la pauvreté. Bah, jeune, on a mis sur ma côte en amine. À professionnaliser le domaine. Parce qu'on ne peut pas professionnaliser sans former.
Mais le Premier ministre à Oloba, nous voulons rendre les systèmes informels formels, mais avec des gens qui ne sont pas professionnels. Donc, priorité des priorités, c'est d'abord la formation. Il faut former pour rendre quelqu'un professionnel. Et cette formation que nous recevons, autre que Zoualelo, acquise, et d'abord formation, mon copain, et qu'on développe pour moi, l'absurdité. De façon générale, la mise au secteur. Nous sommes dans la stratégie. Les gens sont formés, puis nous sommes formés dans beaucoup. Alors pour les autres. Maintenant, il faut que l'État ait la stratégie. Parce que nous sommes formés, plus les chômeurs. Nous sommes formés, plus les chômeurs. À Longinae, non seulement cela, mais qualité paye la formation. Ozomona. Batubele, bazo formé, faut pas qu'on se voit la face. Mouta si a un diplôme, mais on va émerger dans la société. Ba bengé ya ozo musala, bisou tout sala. Naza entrepreneur. Olobia ou sala, ozo comptable. Sale na na nou rapport boy boy, a kwani osa musate. Maintenant, on va nous luka, o komo luka mouta ebi musala et comme le roi d'enrée rare. Tu es même prêt à prendre un consultant il y a deux jours parce qu'il y a Moussala pour y avoir une fière qui est partie par là. Quand on a un mot, il y a disponible, mais il y a Moussala. Tout ça sont des problèmes. Créer la société, c'est-à-dire qu'il faut revoir qualité à formation à l'université en ambition. Mais formation, elles sont liées. Formation, elles sont dans l'université. Elles sont en école secondaire. Est-ce que, avec nos enseignants, au bazar sous-payés, enseignant Moussou Soufouye, le problème c'est quoi? L'enseignement est devenu sous-payé. Le meilleur ne vont plus dans l'enseignement. Donc, le meilleur, c'est le premier, assis ici, le roi lauréat, dans la pédagogie. À qui a sa l'université, en tant que certain? Pour y'a bien au Koufa. On se comprend pour Mboukazos, les gens qui ont ça la domaine Moussou. Maintenant, les médiocres vont dans la pédagogie. Et bien, la qui nous a, comme côté en Obana. Wow. Au moins, à l'objet que à retenir la lacune. Sans pédagogie. À retenir la lacune. Il y a pédagogue ou il y a faible. Un criminel. Alors, si c'est maintenant qu'on a ce perdurer, c'est très dangereux. C'est un criminel. Alors, il faut qu'on corrige Bilokoana. À sa université, s'est retrouvé dans mon salaté. Avant ça, la formation a eu. Il y a 9 mois, formation a eu à 2 mois. Il devient un grand ouvrier. Et puis demain, il va devenir un grand entrepreneur. Ozomona. Maintenant, ceux qui ont plus de capacités, il y a université, on leur laisse faire. C'est eux maintenant qui deviennent des cadres pour encadrer. Ça ne signifie pas si on est ouvrier, la vie s'arrête. Ou on ne sera pas riche, c'est faux. On peut être ouvrier, on apprend un métier, n'est-ce pas un maçon qui apprend son métier de maçonnerie, dont l'objet a commis contre-maître, et puis demain, il lance son entreprise de construction. L'objet a commis un entrepreneur à construction, comme nous appelons, bon, et belé, parce qu'il a été bien encadré, il a changé de filière, a changé de stratégie à vie, et puis a commis riche. Alors, monsieur Athanase, monsieur Massenti Mandefi, excusez-moi, Nangito Zala, un peu réaliste, vous voyez la proposition. Nabakundi, autorité au Rwanda, Bissou et Bélé, bâtir en place agence de formation professionnelle intégrée. Et où ça, il y a un nom. Parce qu'on est là, en Canada, nous sommes au ministère de la télévision. Ni nous, aux Akosenga, Liboso, Nabakundi, Nabissou. Baba, là, nous sommes là, pour les locaux, ils ont mis en place. Bon, nous avons émis une idée. Bayambayo. Basani. Pour aux amakanti, au pesika idée, ben faisabilité l'ango. Tu peux si idée bakondi au moné aux alaka vague parce que bakondi il y a le président de la République. Bakondi il y a le premier ministre. Bakondi il y a tous les ministres sectoriels. Cette proposition intègre ils ont intégré par secteur presque nyonso, va ministère nyonso. Lelo mutaza na posa. Il y a développement a réussi mandat des chefs de l'État. Les autres travaillent pour que le chef de l'État réussisse. C'est lui qui porte la croix. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État. C'est lui qui ira demander le suffrage auprès du peuple. C'est le chef de l'État. Ce n'est pas le Premier ministre. C'est à lui que revient la garantie du développement.
Et ça, il y a des fois, parce que les gens, ils dépensent et ça partit, mon aîné. Ils ont fait 37 ans de lit. Beaucoup de jeunes, babé n'a qui pu souper. Balobi papa, marambo lobi et ça y a solo. Les gens, sur les 100%, il y a fidèle, ba membre, ils dépensent. 5% qui a battu tout ça. Pourquoi ils sont nés, 95%, tous les gens, ils sont là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es un délinquant. Ça, on m'a appelé pour me dire ça. Dans l'émission de Kaki. Dans l'émission de Kaki. Non, et ça, pour moi, ma délinquance, c'est si quelqu'un n'a pas été formé, quel a été le rôle quand vous êtes maintenant au pouvoir, qu'est-ce que vous devez faire? Récupérer ces jeunes, formez-les. Pour que ce soit espoir et avis. Le problème, Moussa les a tout travaillé. Un tout travaux, il est négligé. Un tout travaux, il n'est pas formé. Il faut mettre en place ces centres pour ces jeunes-là. Aidez-les. Parce que c'est eux qui ont fait que Binobo soit pouvoir aujourd'hui. En tant que Bissou, les jeunes, peut-être à partir de Moussou, aider Bamoté. Mais ces jeunes qui ont lité, qui sont morts sur la rue, vous aidez Bamo. Comment vous allez les aider? Ce n'est pas que vous avez mis ça dans le ministère. Ça, c'est faux. C'est manquer même des stratégies de développement. Aujourd'hui, il faut construire des écoles, des centres de formation professionnelle, des écoles artisanales. Partout, ils se trouvent à travers la République. Et les intégrer dans les projets que vous allez lancer. Des grands projets, des grands travaux. Des projets, des grands travaux. À l'instar, vous avez les barrages d'Inga. À l'instar, il y a la réhabilitation quand on a Mujimaï. Vous comprenez? Il faut penser à ces jeunes-là. Et bien, les jeunes vont travailler. Ces jeunes-là, bien formés. Ils vont travailler. Intégrez-les. Formez-les. Parce que s'ils sont formés, c'est toujours un bonheur pour les pays. Ainsi de suite. Parce que nous ne pensons pas qu'en leur donnant, on leur donnera toujours seul. Les autres vont en profiter. Nous n'allons pas comprendre. Aujourd'hui, vous avez l'impérium et vous n'avez pas donné du travail à ceux-là qui vous ont porté là-bas. Vous n'allez pas. Il n'y a pas d'excuses. Ou il n'y a pas de stratégie. C'est pas très fort ça. Non. Nous avons un budget de 12 milliards. Attention. Un budget de 12 milliards. Je vous dis, vous prenez 1 milliard. C'est les 12 milliards. Vous investissez dans la formation de ces jeunes-là qui vous ont porté là-bas. C'est beaucoup. Et bien ces jeunes sont aussi des Congolais. Mais ce n'est pas que vous leur donnez. En réalité, vous formez des Congolais. Parce que c'est le plus grand parti de la République. C'est le plus grand parti de la République. Vous avez beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que si vous formez ces jeunes-là, demain, vous n'allez plus les appeler les délinquants. Demain, ils vont devenir des messieurs. On ne va pas vous applaudir. C'est comme ça qu'on peut même pérenniser un pouvoir pendant très longtemps. Parce que ces jeunes-là, ils ne sont pas là à applaudir parce que le chef de l'État a fait la route. Mais ils sont là à applaudir parce que nous avons fait la route ensemble avec le chef de l'État. C'est possible. C'est possible. Nous avons construit les barrages d'Inga ensemble avec le chef de l'État. Nous avons construit, nous avons réhabilité les routes de voirie nationale avec le projet d'Ile Djelou, ensemble avec le chef de l'État. C'est possible. C'est possible. Mais pourquoi appeler les Chinois? Pendant que vous avez des jeunes là-bas. Pourquoi appeler les Chinois? Donc ces jeunes-là ne méritent pas le travail. Est-ce qu'ils sont formés? Ah mais non. Ça prendra plus de temps. Mais cette formation. Non, une formation de 6-9 mois, c'est pas beaucoup. C'est possible. Mais qui va les former aussi? C'est vous? Non, l'État, il y a beaucoup d'écoles artisanales qu'il faut réhabiliter. Réhabiliter les écoles artisanales. Papa, Mbokoyo, quand les prêtres sont arrivés, les missionnaires, au moins parfois, tout le monde est colon. Peut-être que tout le monde a plus de vision que Bissot. Toutes les écoles artisanales qui existent, partout où nous avons étudié, il y a toujours des écoles artisanales. Ici à Kinshasa, vous avez l'IPG qui forme des menuisiers. Est-ce que les vous enfants, avez de l'autre les enfants alimentés, comptez alimenté dans je crois 11e rue, Sainte Marie Antoinette que j'ai vu la fondation de Denis Nyagero a réhabilité. Il y a couple couture les dans la carte. On les équipe les jeunes filles là-bas. Vous comprenez? Donc on peut réhabiliter ce qui existe et construire maintenant des nouveaux centres pour prendre tous ces jeunes qui n'ont pas étudié. Parce que bah moi ça comme un spécial. Donc dans ton rendez là, j'ai une formation à 6 mois. Vous et bah tu es bangou là. Chinois là pour faire la bino. Soit bino pour bah chinois mais tous les ouvriers doivent être des Congolais. Ah bino bah chinois mais bah ouvriers. Soit bah patrons bah Congolais bah chinois bah nani. Mais l'objectif c'est aussi de donner le travail aux entrepreneurs congolais. Ah ça aussi. Et puis pourquoi pas? Ça pose problème ça. Pourquoi pas qu'on s'attarde au VD? Parce que l'OVD peut prendre tous ces jeunes là. C'est l'entreprise de l'État. OVDP, gros là-bas. Bien sûr, il peut avoir des contrats de 2 ans, de 3 ans.
N'importe quoi contrat, pas bien, on va CDD. Bah contrat dirait déterminé. Moutarouz en a CDI, Moutarouz en a CDD. Ça dit Moutarouz en contrat il y a deux ans, Moutarouz en a contrat à dire indéterminé. Le contrat de durée déterminée, il y a un débat contre ça qui est révélé. Pour lutter contre le chômage. Entre temps, on fout ba taxe, ba impôt, tout ça. Ça va INSS. Après deux ans, trois ans, ça a été bon, on a INSS. Et qu'on servirait à subvenir dans ma besoin de famille. Vous comprenez? Il faut construire des sociétés sur des très bonnes bases. Et là, lorsque vous avez lutté, il faut penser aux autres. Penser aux autres, il faut mettre des cadres. C'est ce que nous appelons le développement intégral. Développement intégral, c'est quoi, selon vous? C'est un développement qui intègre l'homme dans toutes ses possibilités. Comment? C'est un développement qui prend en compte tous les secteurs de la vie nationale. Il y a un autre côté, dans chaque secteur de la vie, tous les projets doivent intégrer les Congolais. Du point de vue formation, du point de vue de valeurs, du point de vue patriotisme, et du point de vue aussi entrepreneurial. Entrepreneurial, c'est Mandéni, patriotisme, c'est Mandéni. Du point de vue entrepreneurial, il y a un autre côté, quand vous formez les jeunes ou vous formez les universitaires, avec un esprit, il y a innovation. Il faut lobby, tant que Sissi Moussala va se transformer en créateur d'emplois. Papa, oui, dans un jeune, ça aussi, on doit clairement. Il y a une dame qui nous a envoyé un jeune là, à l'époque, pour aller que la caméra prise de vie. Mais je vous assure, il y a des jeunes compliqués. Hein? Donc il ne faut pas à la volonté, voilà. Bon, petit petit caméra qui était Kango, assommer les caméras pour filmer à Tekina Kango. C'est ça, ça aussi ça pose problème. Le développement intégral prend en compte la valeur. Wana. Ça signifie quoi? Moutouba Foromagae Kakate, Namoussala, il faut reformer aussi en tant qu'un homme de la société. Ok. Il faut qu'on intègre la société. Les valeurs. Des valeurs de la société. Bah oui, ça y est, boué. Au moins, le Moutouba Soakate. Ce que je veux t'as là ce que tu perds. En réalité, il faut que l'accent, tout le monde soit au Yibi. Ce que tu as la stabilité à vie. Mais ce que Yibi, au Kangayo, au Kota Boloko, lobby lobby au Komaboué, aux années l'autre. Mais par contre, ce que persévérer à Oua, tu as la Mangamboué là, Bouenaboué, Bouenaboué. Et puis, troisièmement, il y a aussi des facteurs de la vie liés à la pauvreté. Moutazo a formation, mais depuis Tongo, Timidi a l'été. Tout ça, il faut penser à cela. Napoto, au moins, il y a une classe, mais il y a aujourd'hui, les jeunes, on a eu une formation. Mais si on a une formation, on a un peu de temps pour le faire. On a un peu de temps pour le faire. Avec la fin, écoutez, on a un peu de temps. Et il me disait ça, il y avait 5 enfants. Vous comprenez? C'est ça les problèmes. 5 enfants. On a un peu de temps, mais on a un peu de temps. Donc, on a un peu de temps, mais c'est la réalité de la société. Ça signifie quoi? Lorsque vous lancez de tels centres de formation professionnelle, il faut penser à la ration. Ça dit que nous avons des gens qui formés, beaucoup de gens qui sont formés. Ça dit que l'État peut se faire un bon, il a deux vies à un bon. Tant que nous avons ça, nous avons fait un bon. Nous pendant 4 ans. Aujourd'hui, même si nous avons en France, nous avons fait un bon, l'université est très chère. Mais l'État a deux vies à un bon. Pourtant, l'université est chère. Tant que nous avons ça, tant que nous avons dit que nous avons l'État bon. Nous avons. C'est ça pour pallier à des faiblesses comme celle-là. C'est important parce que l'objectif d'un État, c'est de développer. L'objectif d'un État, c'est de développer, mais agence professionnelle, au jour le bout, normalement, il y a offelé. Prenez là qui défi ça. La vision de l'État, l'État, c'est quoi, papa? Quand nous prenons 12 milliards, c'est pas un 12 milliards du gouvernement, c'est les 12 milliards des Congolais. C'est pour aider les Congolais à manger, c'est pour aider les Congolais à se développer. C'est ça. Le budget de l'État. C'est ça les taxes que nous payons. Et ça les contributions à mon tout pour nous bisounions. Nous allons dans les cas, dans les cas bien, pour bisounions tous les cas. Classe au tout temps, tout temps bien. Et si l'État, face à un défi au bisounions, il dit je prends 1 milliard. Dans ces 1 milliard, je vais lancer les centres de formation professionnelle, dans 4 équipements, dans les colliers, dans les colliers. Je vais les parce que c'est un bon Congolais. Ailleurs, on paye même les familles. Chaque mois, moi, il ne faut pas faire ça un bon. Pour aller attendre, parce qu'on est supposé, cet enfant doit manger, doit même la rentrée académique, même la rentrée des classes. Si vous êtes dans un bon rapport, on va faire ça par un bon pour la rentrée scolaire. Donc, pour faire ça, tout le monde, tout le temps que ça a classe à Ophélé,
ezali droit ya congolais tant que congolais en a bon côté. D'ailleurs, le mal, c'est que de ne pas le faire. Dans un climat où les Congolais sont très pauvres. Nous, Bambou Walwa Bachine s'est développé Nengeni. Parce qu'ils ont mis des moyens. Ils ont même donné des logements. Ils ont même détruit des villages pour en faire des villes. Bah, petit bateau appartement, bah, petit bateau banda. Voilà. C'est ça les grands. Voilà. Alors, tu veux rappeler, bah, tu au bah, quand d'abisso et Belé, bah, quand d'abisso na YouTube, na CCTV Ralik officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, hein, dans la chaîne YouTube CCTV Ralik officiel, et vous allez suivre les programmes de qualité. Voilà. Alors, on va rapidement vous rappeler, Toyambi congolais, il est génie du jour, notre génie du jour, c'est bel et bien Monsieur François Mantsati en défi. Ou aïe na likanisi ki toko alingi ba koka kocha na disposition bana mboka bana Congo agence de formation professionnelle intégrée pour batoba de ba formation ba s'impliquer directement na construction na développement mboka na ba projet nyoso ko ya projet kotonga ko sala nzela kotonga bandako ko sala même barrage ko sala nini ba projet nyoso ba grand travaux nyoso pour retrouver les Congolais dans la carte de ma projet on a, et non pas les Chinois, les Talibans. C'est comme si le bâtiment est là, on a beaucoup de basalité. Bilingue, ou bah, ça, mais ça, la basalité. Mais d'un vrai, on a mis tout ça, là, on a dit, il faut chômage aussi là. Alors, on a dit, tout le monde a fait un point, mais on a dit, au deuxième passage, aujourd'hui, appelle, il y a autorité, Moko, ou à l'Andakio. On vérifie à mon niveau. Pour ça, pour l'intérêt à développement du génie Congo, c'est pour le développement du Congo. Est-ce que j'y appelle, il y a un motomoko, autorité, ou peut-être à saluer ou à promesse dans le sens de soutenir l'initiative, proposition? Non, d'abord, c'est très rare, hein, bah, autorité Mboka va bien à Batou. Ou bah, des services Moko Songolo Patala. Non. Et ça l'a raté, hein. Bon, peut-être que les gens peuvent se faire des idées. C'est souvent le peuple qui appelle. Les autres, c'est le peuple, c'est la population qui appelle. Pour les autorités, soit Yenda Lingazala a parrainé idée. C'est difficile au Congo. Mais ceux qui autorité Moko a parrainé idée, non, l'idée, pour moi, l'idée, c'est le gouvernement. Nous sommes là au service du gouvernement. L'idée, parce que d'abord, une autorité ne pourra pas. Il faut que le gouvernement soit le président de la République. Parce que ça, c'est un projet de développement. Hein? C'est une idée. Au exact, si la chance nous échoue, nous travaillerons pour le compte du gouvernement. Mais pour le moment, ce sont des idées. Ils nous suivent. S'ils peuvent les intégrer, tant mieux. Parce que le plus important, que les Congolais se développent. Moi, je suis entrepreneur, je vis de ma vie. Donc, je ne suis pas venu ici pour que... Peut-être Nazwa Moussala, Moussala Nazala, ou déjà... Très bien. Mais il y a un partage d'idées. Mais il est là pour le développement. D'ailleurs, je suis là pour le moment où je suis là pour le moment. C'est parce que je connais travailler, je travaille. J'ai une expérience professionnelle suffisante. Très bien. Donc, tout ce que nous faisons comme rendu, les gens l'apprécient. Mais maintenant, il ne suffit pas. Batumusu baye bimakam. Mais il y a un ATV, il y a un barate. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas des valeurs. Mais tu peux le partager. Tu comprends, tu peux le partager. Pour que tous à la néfice que bah, conseiller même de la télé. Ne vous en faites pas, une autorité peut être conseillée à travers la télévision. Il n'est pas obligé de m'appeler. Mais il peut dire, ah, idée on est à bien, je n'avais pas cette idée. Il écrit et puis il applique. C'est pour le bonheur du Congo. Très bien. Aux hommes. Et nous avons notre chemin, nous faisons notre bonhomme de chemin. Très bien. Voilà, Johnny Congo, avec le pareil Congolais, un souci à Congo. Yo, un souci à Congo à solo. Ah oui, Toi Bango, Plateau Ango. Génie Congo pour opérer sa maille naïo pour Congo qui est libosso. Mais là, mais quand vous soukis ça naïo, na likambotali ba infrastructure, le développement intégral yamboko na biso. Moi, likanisi naïo. Et si kanango, quelle est la place des infrastructures du développement intégral? Donc, dans le développement intégral, place infrastructure zali wapi. Na kati ya développement intégral infrastructure. Et si kanango zali wapi? Omoni infrastructure comme nous cessons toujours. Ne cessons pas de le dire. Et d'abord, et permettre la connectivité entre bah, différentes provinces ou les différents territoires Yamboka. Parce que ce qui connexion Zali,
entre les différents territoires d'autres activités qu'on m'a. Par exemple, qu'on développe le commerce. Bah, jeune ou bah, dans le talent et le commerce, bah, qu'on trouve bah, créneau. Au moni, entre-temps, ils ont commis ça Congo, le rôle à moi en Boka Moko. Na ko longwa nanga awa, na ke nanga na Lomela, na ke nanga na Bukama, na ke nanga soki wapi na Bukavu, na zimu tuka nanga na kei. Et tant pour kei kuna, et ko peso ba inspiration na ba idée mususu. Ya développement. Surtout na ba oito bengi ba infrastructure en transport. Lelo po formation et salema. Po na ba jeune, il faut ba infrastructure na Malunga. Et c'est ça que nous avons besoin de l'équipement, de l'infrastructure dans Malunga. Pour que la formation soit la qualité. Parce que, et là, il ne faut pas comprendre. Ce qu'une infrastructure est la pédagogie peut être ça va bien. Comment ça? Non, mais tant que les salles de classe sont là. Dans le Libanda, non. Les gens sont là, à Kinshasa, il y a d'autres coins où il y a des écoles. Vous pouvez imaginer ça. Ici, en plein la capitale, là, mais c'est quand même dangereux. Comment nous allons développer déjà ce tout ça dans l'infrastructure? Au moment que place l'infrastructure pour le développement, c'est la capitale. Parce que faut construire la classe, classe et sa infrastructure. Donc, l'État, il faut aller bas, place, il y a l'infrastructure. Il faut avoir moyen de pour avoir l'infrastructure. Attends, l'autre lobby de développer le secteur minier. Ouvrier, il faut pas avoir formé. Peut-être que vous avez congolais. Oh, il faut pas avoir congolais. Il faut pas avoir congolais. Ouvrier, il faut pas avoir congolais. Parce que formation agence, voilà. Des formations professionnelles intégrées. L'agence, l'autre lobby, il faut avoir l'école. C'est une structure. Nous avons ça, l'RCPT, par exemple, l'Agence pour la régulation, la sous-traitance. Voilà. C'est celui qui travaille avec le centre de formation professionnelle. C'est celui qui travaille avec des projets. Il y a un projet qui a lancé le projet d'Inga. Nous avons un gérant et un ministère de l'énergie. Il y a un projet qui a reçu une partie de la présidence. Nous avons géré tel projet, mais nous avons la participation de la communauté. Tout le monde a un objectif, par exemple, le président de la République a dit Congolais participer à ce projet à 70%. Ça signifie quoi? Un, il faut sous-traiter certains petits travaux congolais. Deux, il faut que la main-d'œuvre qui est entièrement des ouvriers soit totalement congolaise. Si la technique est congolaise, spécialiste, bien monté, mettez des centres de formation, faites-la plus avant la formation continue. Pour que les Congolais aient bénéficié d'un bon moment. Déjà, les achats de différents matériaux, et ça les marque en dehors du pays. Mais laissez quand même la main d'œuvre en Amboka. Mais tu as main d'œuvre. Nous sommes qui? Nous sommes Libanda. Ce que l'État a comme une vision, a comme boosté l'économie. Déjà, lorsque des gros projets commencent, il faut bon bouger. Mais ce que les gros projets sont salés, et puis, tu as dit que la réalité, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi vous avez dit que on a lancé le projet de réhabilitation de voirie à Kinshasa? On a lancé la réhabilitation de la voirie à Kinshasa? Mais ça, c'est pas normal ça. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que papa est ingénieur, RDC. Il faut tout fondre la mise. Ah, vous avez dit que vous avez dit que vous tous ces jeunes, il y a des partis politiques, surtout Bino, les jeunes ont des partis politiques à pouvoir. Ouvrez bon, ouvrez l'œil et les bons. Exiger à vos leaders des partis va intégrer Bino. Ils ont l'obligation de vous intégrer. Ou ils sont en panne de stratégie, Baluka, expert ou bah sous maman. Ou ils ne vont pas revenir en 2023 pour vous dire quoi? Que nous avons pris le pouvoir, excusez-nous. Nous avons pris le pouvoir, nous vous avons intégré dans le développement. Ça, c'est un bon discours. Mais vous avez pris le pouvoir, vous vous êtes intégré vous-même en vous, en nous traitant de délinquants. Ça, c'est pas normal. Ah, vous voulez faire révolter les jeunes ou comment? Non, je ne les fais pas révolter. Mais ils doivent maintenant, parce qu'on révolte en 2023, maintenant, ils doivent changer les paradigmes. Ils ont l'obligation de faire des combats à l'interne pour imposer le développement. Parce que finalement, ce sont les jeunes qui doivent imposer le développement. Et pourquoi
le président Tshisekedi, d'heureuse mémoire de l'IDPS, Étienne Tshisekedi, disait le peuple d'abord. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris le pouvoir, il faut penser d'abord à ces peuples-là. Il ne s'agit pas de leur apporter un tableau décoratif pour leur meubler un tableau. Ils ont besoin de manger. Pour manger, ils doivent travailler. Pour travailler, ils doivent participer à la construction du pays. Est-ce que Bazo Kota va participer à la construction en Boka? Ils doivent se poser cette question. Il ne suffit pas de venir dire que tu es Golovabo. Même au niveau de l'armée, la guerre à l'Est, aujourd'hui le président de la République prend la mesure, il y a aussi l'état de siège. Mais les militaires qui se battent là-bas sont des Congolais. Donc vous faites participer les Congolais dans la stabilité de leur propre pays. Les Congolais déjà aiment leur pays. Mais le long, et le bilan dernièrement, la ministre de l'Information, lobby parfois, la pauvreté est le ferment de l'antipatriotisme. Donc, même le gouvernement, jusqu'à ce point, comprend la mesure de l'antipatriotisme liée à la pauvreté. Nous sommes aujourd'hui, même à l'Est, avec la guerre de l'Est, on va stabiliser l'Est. Mais après ces jeunes-là, il faut les intégrer dans le processus de développement. Pour que Bazong et la Babiti doivent en pour que regretter en beauté. Ils doivent comprendre qu'avec la paix, c'est la stabilité. Avec la paix, tout revient à la normale. Avec la paix, tout le monde peut gagner son pain tranquillement. Donc il faut des idées pour apporter de véritables projets et des projets intégrés. Il faut que ces jeunes-là, non seulement ils doivent faire l'agriculture, ils doivent participer à la construction de leurs infrastructures. Même agriculture, ils ont un centre de formation intégré. Oh. Mais oui, mais métier agriculture, il faut que nous avons des paysans. Mais c'est bien, il faut les former pour que comme un professionnel. On peut professionnaliser cela. Mais bien sûr. Différence à Nenim, papa qui n'a jamais filé la boîte qui n'a pas tourné. Il y a un peu de pêche. Mais n'est-ce pas? Non, mais n'est-ce pas? On a papa Moroboye, on a un bâton de pêche. À un pays universitaire, à un bateau de pêche. Vous comprenez ça? C'est ça la vision. Ok. Nous avons un grand fleuve. Nous avons un océan. Nous avons des lacs. Le lac Tanganyika, un lac très poissonnier. Donc, il faut que nos pêcheurs comprennent. On doit professionnaliser. Ils ont besoin. Il y a bateau. Il y a bateau de pêche. Pour nous, avons un bateau. Batouana. Ce sont des gens qui viennent dans des écoles d'agistage, plus des ingénieurs, il y a un chantier naval, où il faut. On a besoin d'information. Est-ce que vous êtes d'accord? Faut te former par ingénieur, il y a un chantier naval, faut te former par architecte, il y a un chantier naval, faut te former par ajusteur pour nous accompagner Missalana, parce que c'est ma construction mon métallique. Faut te menuisier pour te goûter bango, il y a un équipement. Surtout comme il y a un bateau de pêche, il y a un pêcheur, il y a un bateau de pêche. À l'aise. Commerce, n'abîme pas. Ça signifie quoi? Quelqu'un qui termine, par exemple, na un site awa na université ou ya IPG côté yo, au bas ça là un peu bah électromécanique tourne à Ista, avec son travail de fin d'études, il peut faire un travail sur un bateau. On se comprend? Bateau de pêche. Il y a fin d'études. Ensemble, il peut travailler avec un jeune architecte. Ok. En fait, bah ça nous amène. Parce que dans le bateau, il y a un fonctionnement, il y a des pièces et des arakas. L'architecte, il y a un bloc. Au besoin, on forme des architectes. Il y a des architectes navals. Hein? S'il n'y en a pas cette école, il faut la créer. Parce que moi, il y a des choses plus de 16 000 km de naviguer, de cours de route. Mais attends, le bateau, il même pas chalutier. Une école d'architectes forme des architectes navals. Qu'est-ce que nous faisons là? Vous comprenez? Donc, nous en avons besoin. Très bien. C'est ça, le développement intégral. Votre contact. C'est ça, l'agence formation intégrée. Des formations professionnelles intégrées. Ça, ce n'est qu'une idée. Nous n'avons pas votre cette agence, idée. Mais nous émettons que le président de la République, très bien, qui devra développer ce pays qui en a la garantie et le garant de la nation, de mettre en place une structure qui devra veiller sur l'intégration de ces jeunes.
en commençant par son propre parti, l'UDPS. Il faut que les jeunes passent en tant que nous avons dit, passer la structure et veiller pour l'intégration là bas. Pourquoi soit mis ça là? Il ne suffit pas aux ala dans un parti, aux ala initiés, aux ala acquaintances, aux ala elle et à moïté. Mettez une structure, cette structure va veiller aux intérêts d'intégration de ces jeunes. Cette structure aura une vie sur tous les projets à travers la République. Ok. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Votre contact, Robin Gondéni, jeune, autorité, en Boka, vous contactez M. Mansantima. Bisso, numéro de M. Zali 082 26 39 983. Mandela 082 26 39 983. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Merci, Papa Doudou. Et cette initiative est louable. Ce qui pense à Kondi Bazoui, je vous appelle à Mme Pona Mboka Mbimaki et Liboso. Donc, c'est parti à sujet du jour. Et je vous avais annoncé, on conclut d'abord en bouclant avec le sujet du jour pour recevoir en dernière fête partie notre invité, Otto Solanae, Makambo Itali, Actualité. C'est parti, donc ça en est fini avec le sujet du jour. Voilà, Monsieur Benjamin Kawanga, l'homme de Dieu, prophète, Église universelle pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis, Yangonde et aussi sa crise, toi on emboka, guerre dans l'Est, nous on a pas si bien trouvé une solution. Bonjour. Bonjour Ndeko Nangai Doudou, bonjour Nabande Konyon Sobazo Landabiso, na Génie Congo. Les Ali Esika Oyo, il faut tout yakopé sa mayel. Et Pambate, Ndenge Komama na Makomi, Yazambe Tata, mon peuple péri, par manque de connaissance. Ça dit Batou, Bana Yambo, Kabakoufa, Rapona Kozanga Koyeba. Et Koyeba, Ezalarana Kombo, Koyeba Ezamutu. C'est-à-dire, Bwanya, Ndengozo Lobawa, Génie Congo, Bwanya Nyoso Poye Salema, il faut y aller à moto. Tangozo Loba, Église, Lingomba, Lingomba et Lingiko Loba, Mayele, c'est-à-dire Lingiko Loba, Nzambe, et Loko Oyo, et Kamba Mina Bonzambe. Oui, Moutouna na yo, Ndengo Kota ki na introduction, na ko répondre yo, Ezali a solo, que Église, universel pentecôtiste et charismatique oyo ekambami na mosakoli munene obengi yango na lopoto un grand prophète, le prophète messager Emmanuel Doti. Emmanuel Doti. Emmanuel Doti. Toti. Dodi. Dodi. Ah. Dodi. Na kati tozali na ministère des affranchis yango eye na solution po na mboka Congo. S'il vous plaît. Na place ou na solution. Ah tu as mieux pour le roi génie. Oui, génie. Je suis un génie. Vous êtes génie. Mais tant qu'on a un bac yom quoi, Liboso, on a un bac qui combo y a Emmanuel Toti, Dodite. Ah, oui. Oya qui, Mouta Liboso, y a un bac autant, y a qui na la télévision, la bisoua. Ngaï. Très bien. Oye, oye, singaï, yo, oye, la solution pour la crise, oye, dans la boucle, dans le soukong. Exact. Maman, bon ami, maman Marceline, Ebois. Ma Marceline, je crois, Ebois, mais bois ou Ebois. Mouta tout n'a pas tout dans la vie, papa Doudou. Emmanuel Dodi et non pas Yomoko prophète Benjamin Kawanga. Très bien malamu mingi. Et loko botubaye bakate na kozungisa yo mama Marceline na bande konyo so balande. Prophète Benjamin Kawanga azali incarnation ya Simo Kimbangu. Na ye na solution na Congo. Oui. Pour la solution nyonso ya Congo et Salema et l'Obama na Nzambe Tata kolekela munoko ya nani Simo Kimbangu et loko na ngana ibisa de boba na Congo nyonso okoko trouver solution te na Congo soki o retrouver Kimbangu te kozalaka solution te véritable solution il faut qu'on retrouver Simo Kimbangu siko na kokoma esika ya mutuna na yo ndenge nini na za ko présenter peuple congolais lelo que
mokonzi ya ba solution na Congo, non seulement na Congo, na Afrique et pe na humanité, c'est Emmanuel Doty. Na zongi na buku oyo kimbango, c'est-à-dire maloba oyo kimbango alobaki. Okokuta oyo na zoloba. Na kolingana zwa kaka moi quelques parties mukena tanga et puis na expliquer ba na Congo. Oui. Na zu na prophétie ya Kimbangu, message prophétique d'Adieu à Simon Kimbangu oyo lobama ki le matin ya samedi le 10 septembre 1921, deux jours avant son arrestation. Et là koni ni Kimbangu alobi na ko kende moi mukuse na zu paragraphe oyo Kimbangu alobi, mais les décennies qui suivront l'Afrique est libre. Bamboula et Kolanda, Afrique et Kozala déjà est indépendant, seront terribles et atroces. Et Kozala Yamabe n'a pas si mingi. Car tous les premiers gouvernants, c'est-à-dire Bakambio et Nyoso, Yaliboso, Yafrique est libre, travailleront au bénéfice des Blancs. Et un grand désordre spirituel et matériel s'installera. C'est-à-dire Bozoba, Bosoto et Kokota Namboka, Nabonzambe, Pena. Bozui, c'est-à-dire matériel ou ekambimbok. Alors, Kimbangu alobi nini? Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les blancs, les gouvernants entraîneront, je disais quoi? Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, si les conseils des blancs, le peuple respectif, dans les guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront le fruit des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reviendront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquise sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, dont le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai, là c'est Kimbangu de Azolo, Kimbangu Alobi, je serai moi-même le représentant de ces grands, de ces rois-là. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car dans toutes les races de la terre, aucune n'a été meurtrier et humilié de la race noire. N'a sauté moi mouké, pondé koudoudou, azoa moutouna na réponse naye. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas que signifie la guerre spirituelle. Alors, sauf pour quitter moi mouké, au comment on a, quand le peuple Congo commenceront à se libérer, na kokata moi mouké pour na kota l'explication. Et le bonin n'a expliqué, ne konanga doudou na bade konyo so baouti kolanda. Na ebisa ki yo ke nyo so ko salema na Congo ya solo, il faut elanda na oyo nzambe tata lobela na monoko a Kimbangu. Mais na maloba ya Kimbangu, baza ko représente nini. Kimbangu a lobi boyi, mokonzi ya munene ya bozambe a kozala. Un grand roi divin viendra. Qui dit roi divin, eza titre. Vous comprenez, nous déconnons à Doudou. Et ça, le collègue, le président, président, il a titré. Si on sort le qui combo, il faut le voir combo. Si Koyo, un grand roi divin viendra, c'est Kimbangu qui dit. Mais Kimbangu, il y a quoi lobby? Moi, Kimbangu, Ngai Kimbangu, Nakosala, Molobeli, représentant ya grand roi divin. Wana. Kasi Ngai Kimbangu, Nakosilisa, humiliation au peuple congolais, au peuple africain, Bazanango. Si on a l'ingé na koma, na mutuna na yo. Le loto zana, l'étape ya ko trouver solution na kati ya mboka. Opona ko trouver solution na mboka, esengi ko retrouver bwanya. E bwanya ndenge e bomami na église, il faut ko retrouver d'abord enseignant. O babengye na lingala vulusi.
Vuluzi aza nani o kimbangwa benga ye. Vuluzi aza mutu oyo amemi bozambe. Azali nzambe na katikati ya batu. Ne babengi ye vuluzi, c'est-à-dire mobikisi. Oh, mobikisi nyoso atambolaka ye mokote. Mobikisi ifo azalana oyo babengi ye mosakoli, oyo ako presente mosakoli, ako presente mobikisi na katikati ya batu. Yango to zongi na histoire ya Bible. Okomona ke Bible eza ko presente Jésus, le Seigneur, un grand prophète est à Paris, Dieu visite son peuple. Mais le Jésus là pour ke batuba ye baye le Seigneur Jésus. Il a fallu que Jean-Baptiste oya zala ki Eli, c'est-à-dire amema ki moli moya Eli le prophète a présenté ye. Na komi 1 minute 6. C'est-à-dire quoi? Jésus a été présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant prophète, Adalaki n'a pas disciple. Et moi, je suis prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu. Jésus étant présenté comme voici le nom de Dieu qui ôte les péchés d'humanité. Moi, je vous présente Emmanuel Dodge en tant que les lions de la tribu de Juda qui sauve l'humanité. Et parmi l'humanité, il y a les Congolais. La dépendance à quel niveau? Qui dépend de l'autre? Non, c'est moi qui dépend de lui. Ah. Oui, c'est ce qu'il dit, la prophétie. Pas de quoi. Kimbangwa le bakini nakozala représentant naye. C'est-à-dire nako dépend de naye. Yende aye na trois pouvoirs. Si qu'on a trois pouvoirs, on a des osenga, bisonyo sona yo nangai na ye, toke ne kozwe pa naye. Ndenge nga na zwa. Ah non. Mais oui. Il faut yo po yo kozwa. Qu'est-ce que ça? Na komi, mais oui. Na ba pasteur. D'abord, on a parlé d'abord à pasteur. Donc, on va d'abord m'accaparer ça. Père, s'il vous plaît. Tous les gens m'accaparent ça. Tous les gens, on a dit Makambouanzambe, tous les gens m'ont sécurité. Oui. Aux génies, oui, pour faire sa proposition pour crise la Congo aussi là. Est-ce que possibilité d'aller où y a la Dodi, prophète Dodi, hein, la plateau à quoi? N'a rien à penser. N'a rien à répondre. J'aimerais, à quoi se déplacer pour maintenant le bâtir à se déplacer à terre. N'a rien à répondre. À se déplacer à tout, oui ou non? Nanga na répondre. Toto ya na siège et si kamaka muzali toyoka ninyo ya yango na incarnation na ndenge yo présenté. OK. Na ligne na représente nanga na lobela yo d'abord. Na maloba ya Nzambe tata kolobela Musa kolina ye Kimbangu. Aloba ki boyi. Ngai Kimbangu na kosa la représentant na ye. Donc ndenge zo mona nga ya zo mona déjà yé. Mais ta cela ne tient. Blocage. Non, blocage. Et quand elle est sur blocage, tu vas recaler nzela. Mais qui m'a mona dans les gâtés. Des émissions. Au coco kende, au coco yapé. Mais na zo ebisa ke, on na zo présenter c'est ça la. Yo batu ali hein. En voici yo ka si batu bazali. Non, yo ka na ebisa yo. Solis. Mais autre la TV, autre émission. Azota là, na batu ne so batota là. Yé pé au coco joie, pourquoi kende poko joyer. Mais le problème est ngana za ko présenter. Il faut les gawa, il faut. Non, parce que la mini. Écoutez, la mini. Non, la mini, hein. Je suis son représentant. Nazan accomplissement. Azan, qui non? Azali partout. Mais partout. Il est là. Il est là. C'est comme ça qu'il a eu ce qu'il a Zao. Mais c'est qu'on a eu ce qu'il a Zao. Problème est Zaboyé. Lundi. Problème est Zaboyé. Problème est Zandé Yolanda Oyo. D'abord, on a eu ce qu'il a eu. Le problème est que tu as un journaliste d'investigation. Tu as un peu de temps au Luki Austin. Parce qu'il y a des questions qu'on a reposées. On a reposées en Luki. Il faut poser d'abord la question au Pananga. Après, ce qu'on va faire, mais si on va évoluer, alors la question est la question. On a eu 20 minutes parce que voilà. S'il vous plaît, je la toque. Quand vous avez un bali bosso na télévision, excusez-moi, mon nom est une question, mais batou et belé maman Marceline Karate me voit. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais lorsqu'on avait posé la question à Jésus, où est le Père? Il avait dit quoi? Celui qui me voit voir le Père. Donc rien n'a été changé, c'est vous qui n'avez pas compris. Dis-moi, c'est ça que... Non, non, non. Cela ne dit pas que le Père n'existe pas. Mais qu'il fait un peu, qu'on partait là, qu'on parle en oh, parce que spirituellement, oui, la Bible, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est peut-être un problème à temps. Quand vous communiquez à la télé, c'est la différence où vous communiquez dans la boue en dehors de la télé. Voilà. C'est vrai que c'est un problème à temps.
pour la présenter Bino le père. Mais je vous ai déjà dit, là, aux gens de raison, parce que dans le lobby, en haut, aux gens aussi, comme dans le lobby, qui sont au lobby, non, non, tant au lobby qui m'a ramené ma pata, il y a dans la spiritualité ou dans la divinité, dans la prophétie, et tout marche selon les temps de Dieu. Nous sommes à 2021. Ce qu'il fallait, ma cambo, c'est le 2020, ils ont alors, solution, niveau vous pouvez donc, la solution, est allée. Ok. D'ailleurs, au Tchoukouluba, la solution, est allée qu'on retrouver Zambé Tata. Et Dieu, le Père, est représenté au Congo. Pour vous, il s'appelle il est représenté. Il s'appelle Emmanuel Doty. Pour vous. C'est pour l'humanité tout entière. Alors, c'est-à-dire que pour la retrouver solution, ou bas solution nyonso, non seulement à Congo, en Afrique, il faut qu'approcher cette personne physique représentant la divinité sur la terre. Man. Emmanuel Doty. Ah. Et comme Ngolo et Pesamela qui Afrique, ce qui va bon tout ça. Ce qui va bon tout ça. Ce qui va bon tout ça. Au Komona, Bokonzi à Congo, au Komona, peu Bokonzi à l'eau terre. Donc pour nous, on est la professeur, on est l'étudiant, on est l'étudiant. Mais on est l'étudiant. On est l'étudiant. On est l'étudiant. Ce qui est lié au Tosi Emmanuel Dodité, au Komona Nzambe à Soloté. Bon, en fait, vous blaguez là. Il y a aucun avis. C'est le prophète. Même Nzambe. S'il vous plaît, en tout cas, non, RDC, prophète. C'est la matinée. Il y a un peu de temps. Parce que je ne comprends pas. Nalji ango d'abord premièrement wapi na prophétie à Kimbangu. Kimbangu ndo mtolobike akoya na trois pouvoirs, le pouvoir spirituel. Parce que des ordres spirituels et kozala, si koya akoya na ordre. Ordre na ordre. Voilà. Ordre de voilà ordre la liboso oya tie on a eko présenté bino. Pour na koya ba ke ordre spirituel yé, a yé le biso les fêtes de l'Éternel. Le les fêtes de l'Éternel. Ah. Donc le long le 21 toujours célébrer fête au Babengi, la fête de la première gerbe. Na kati ya Bible ko mama mende ko nanga dudu na ba dekobele ba ola nanga na no yoka ya ngote. O eza na kati ya Bible. Il a fallu mokonzi ya bonzambe oyo Simon Kimbangu a prophétisé véritable voulus Emmanuel Dodi aye la biso la fête de l'Éternel qui s'appelle la première gerbe. C'est comme ça que pour na oyeba et na invité yo pe personnellement na ba de konyoso oyé pe ko yoka. Qu'est-ce qui est la première gerbe? Les autres, 15h, juste de 15h à 18h, oui. Avenue de la Révolution numéro 817, 6e rue limitée résidentielle. Et pas là? Oui, Nesiko Koko. Emmanuel Doty. Nagoya. La solution divine, la solution politique. Et la solution scientifique pour les Congo. Alors, son politicien. Alors, Simon Kimbangu à la Kaki. Alors, son politicien à Boyé. Oui, la première gerbe. La Kokoutane Emmanuel Dodo. Politicien, il faut retrouver solution. Na yo. Parce que gerbe, les talents. Oh, les gens, c'est, si c'est pas de la magie, ça. Non, c'est pas la magie. C'est la spiritualité. C'est du prophétique. C'est ce que Kimbangu avait prophétisé. Kimbangu n'a jamais été. Ils ont bon coco. Ils ont un branche sous branche à Simon Kimbangu. Non. Ezali na kati ya Bible mais révélé par le Seigneur le prophète messager Emmanuel Doty. Na kati ya Bible ezali. Mais oui, là, mais le temps est arrivé. Pardon, la et c'est lui maintenant qui est là. Maintenant moi je lui représente. Parce que vous savez, Ndenge na bandeko kobuna ndenge na bundaka na bundaka kaka na yepe parce que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a délivré. Avant nga na bunda il fallait na zala délivrer na ye, il fallait na zala former na ye parce que eloko uti koloba même na ndeko na biso architecte awa véritable formation na Congo ezati. Oh, les véritables formations, il faut jouer à trois domaines. Il faut retrouver mutua ko former aussi le plan spirituel, sur le plan politique et sur le plan scientifique. Ah oui. Oh, voilà, na Congo kaka. Afanaga na Congo. À ça l'église wapi. Église universelle pentecôtiste ministère des affaires. Atangi wapi. Atangi na Congo kaka.
Banda kala zaki wapi? Kana Congo. Asala ikime pour nani? Kaka tango. Azela ki tango. Azela ki ngai molobeli na representant na ina ya Congo. Azela ki nyoso sacré, ça ni makambo alpo ya bimi. Ai nyoso wana ngai na lobela kango. Donc nous allons prendre yé. Mais n'aïna le belagango. Mais si je suis le représentant. Tant oui, quand on crée le belagango. Frère Doudou, qu'on désorienté par la ligne de zone. Mais pas que tu as la yé. Ah, voilà. Au comique. Ni au sol la gananga yé. C'est un mystère et prophétique. Parce que je suis son représentant. Donc, au bitumbano, au nom de la bundaka, union sacrée, au assemblée parlement. C'est lui. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je suis au lieu que je suis égoïste, je suis au Kamayele, je suis présenté le 17, que na Congo, tout ça l'a colonisé. Deuxième colonisation, il faut qu'on supprime la date le 17 mai 1997, où on célèbre le férié. C'est-à-dire, source à Mayele, où Benjamin Kawanga a retrouvé un peu Emmanuel Doudi. Vous comprenez? C'est la source, l'origine de cette intelligence. Il faut Monusco et Zala écarter na Congo parce qu'ils ont souche à la deuxième colonisation. Carrément, c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. La source de cette intelligence, c'est lui. Nenga na outa ko révélé bino à partir de 17 que le 30 juin to célébraka esprit à Kimbangu. Batu mususu ba église Kimbangu se o bande ko sala religion. Bazolu ka date mususu na ba politicien ba célébrer date à Kimbangu. Na yebi si bango bozana lukuta bo yebi véritable Kimbangu te. Kimbangu est célébré chaque le 30 juin. On célèbre Kimbangu. On ne peut plus chercher notre date. Il y a indépendance à Kimbangu. Comment ça? Je vous explique. N'est-ce pas que dans l'hymne national, la vie se 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, ça les témoins, jour sacré de l'immortel. Or, qui est immortel? C'est un prophète qui est immortel. Parce que prophète a même l'esprit de Christ Emmanuel. Or, l'esprit de Christ ne meurt jamais. Moutoua retrouva indépendance dans mon cannabis au Sektimo Kimbangu. Non seulement en prophétisant à partir de Lubumbashi, dans 1944. Oh, c'est là où Emmanuel Godi est venu. Oh, Kimbangu, quand il a prophétisé que dans 16 ans, Toko soit indépendance. Oh, indépendance est retombé 30 juin 1960. Et ce qui est talibé événement de Konanga Doudou. Événement n'est seulement le 30 juin. Événement Mokoisate. Le 4 juin, il y a un événement. Badate Moussou est un événement. Mais le 30 juin, c'est un événement. Je suis le seul à vous révéler. Quand on célèbre le 30 juin, on célèbre Kimbangu. Et toutes les indépendances africaines. Badaké on célèbre l'indépendance africaine, on célèbre Kimbangu. Mais na kamwe ba politiciens congolais parce que baza na bwanya oyo ba retrouver oyo pa Emmanuel Dodité, baza ko yebisa église Kimbangu c'est que bati ale le 6 avril ezala jour ya centenaire ya centenaire ya Kimbangu, ya kuta ba yebi Kimbangu te. On Kimbangu est célébré. Moni mayele oyo toza na ngona besoin na génie Congo awa. Mais ça c'est ta proposition, ce n'est pas une proposition, je vous révèle ce qui existe. Chaque le 30 juin, c'est Kimbangu qu'on célèbre. Alors pour clore, donc rendez-vous à 15h. Rendez-vous à 15h. C'est avenue de la Révolution numéro 817. Il y a qu'à célébrer la première gerbe. Et Zali fête au Ebimisaka Talana yo à travers les souverains sacrificateurs. Vina yo et Fongwama. Parce que Vina yo a bloqué. Na Kindoki, na ba désordre, na Kindumba, na Makambubele, tout ça là. Mais tant que vous êtes dans les grands sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, Emmanuel Dodi, prière à Kosala, et Kosala Ketala na yo emonana. Ya mayele, ya politique, ya nini, ya kotanga, na nyoso, ya kobongisa réellement mboka. C'est lui l'enseignant, oyo Kimbangu alobaki. Nyoso, il faut d'abord enseigner wana molobeli wana vuluji azala ate la vaisseau. Que faire de l'église kimbanguiste yozo uzaisika na ba. L'église kimbanguiste doit disparaître. Ah, elle doit disparaître parce qu'elle ne connaît pas le véritable Kimbangu. Oui, pour la koye ba véritable Kimbangu, il faut qu'on présente biso le grand roi divin. C'est qui? Emmanuel Doti. Donc là vous venez en contradiction, pour moi tu as confusion. Mais pas là, déjà l'église kimbanguiste dans la contradiction bana kala. Parce que un, va présenter biso, bana ya Kimbangu alors que Kimbangu a botaté. De deux, va présenter biso, baso senga va passer jour férié à Kimbangu alors que jour férié à Kimbangu zala. Au moins que bah confusion. Ça pose problème. Je dois encore vous faire appel à Edmond Kisolo Kili. Engela nga batunyo sa Christ. Je dois faire appel au débat génie. D'autres invités, bato baza kuna na. Baya. Bakuto na yo parce que là c'est grave. La prophétie à Kimbangu. Ça devient grave. Oui, Église Kimbangu se doit disparaître. Vos déclarations sont graves. Non seulement Église Kimbangu, c'est dans l'église nyonso ba passer nyonso fo baya. Na béni et ndeko na biso Denis Lesse ayaki
na bénir peu l'évangéliste Kidjamil Kibila Yaki. Donc binonyo soboya bandeko. Botika la kate ma peka ndenge ndikana na bezo bo bundi bundi bo oui. Mais tant ou pe o ya lekio ayé kende ko so. Numéro de téléphone de celui-ci. Numéro de téléphone nanga ezali 085 67 034 56. Bandela 085 67 034 56. Okozo a prophète Benjamin Kawanga ngamoko, mais rendez-vous ezali na adresse moko, avenue de la Révolution numéro 817, 6e mairie limité résidentielle, s'il vous plaît, résidentielle yaka gerbre nayo ezwa sens, c'est-à-dire talent nayo ezwa sens, source origine ya mayele ezali wana kolekela Emmanuel Dodge, c'est-à-dire le grand roi divin au Simon Kimbangu a prophétisé qui voulouzi aza déjà. Et maintenant Jésus-Christ au tiers. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ah oui, ozo bimisa moto ozu Jésus. Mais ça y est dans la Bible, na ko Jésus-Christ au limisier comme il carré malade. Na limisier Jésus-Christ. Et Jésus-Christ maintenant sera où? Écoutez, la place nous au tiers. Mais c'est la seconde venue. Christ avait promis la seconde venue, je viendrai. Mais c'est à travers Emmanuel Dodge. Merci beaucoup. Départ vous allez ouvrir, on peut l'écouter là Emmanuel Manuel Dodge. Et ça terrible. Merci beaucoup. Merci à Benjamin. Ciao, tout le monde, vous aime beaucoup. Merci à Moron Djambé, à Dadi Kusaka, à Bruno Ndinga, Romain Makonda, José Andia, Alain Kabongo qui venait d'arriver. Ciao et à lundi. Ciao.